Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Ido, on se retrouve pour une petite vidéo rapide. En fait c'est juste parce que je viens de battre mon PB single au 3x3 et environ 5 minutes. En fait j'ai pris mon timer vite fait pour faire quelques temps, puis du coup 9-17. Bon, c'était un mélange super lucky, vraiment trop facile avec un PLL skip. Voilà, donc je vous mets le scramble si vous voulez voir. Vous mettez en pause ou quoi. Je le mettrai peut-être dans la description. Donc déjà, donc je me suis placé. Donc là, on a les pièces de la croix là, là, là et là. Donc moi, je me suis placé comme ça, avec le bleu déjà mis derrière. J'ai placé l'orange comme ça. Ensuite, j'ai mis le vert ici, le rouge là. J'ai placé mon vert et mon rouge. Tout de suite, j'ai vu cette paire, donc que j'ai insérée par derrière. Tout de suite, en même temps, j'ai vu celle-là, que j'ai insérée devant. Ensuite, j'ai vu celle-ci, donc je me suis mis comme ça pour la faire. Et là, bon, j'ai peut-être perdu du temps. J'ai vu celle-là et celle-là. Et je l'ai résolu à un regrip et comme ça. Et ensuite, OLL et PLL skip. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment un scramble super lucky. Mais du coup, c'est mon premier sub 10. Alors, je suis assez contente. Bon, je suis quand même déçue, puisqu'en fait, c'était un sub 10 entouré de temps de merde. Vraiment merdique. Non, je tourne plus dans 15-16, et là, je fais des 19, des 18 et tout. Donc, c'est dommage, mais bon. Donc, voilà. Donc, voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer vite fait, et j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, vous, combien vous avez fait avec ce scramble. Moi, le plus rapide que j'ai réussi à faire, c'est 7,03, je crois. Allez, salut!